Bonjour, vous êtes à Tarot Coco Plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour le mois de septembre un petit aperçu pour les signes de terre. Donc, on a Taureau, Vierge et Capricorne. C'est sûr que c'est un tirage général, donc ça pourrait ne pas convenir là, à tout le monde, spécialement qu'on a aussi trois signes. Donc, je vais faire le tirage de la croix. Il y en a qui le connaissent. Moi, je fais un petit peu différemment, là, parce que pour moi, ça me permet de faire les messages. Sauf qu'avec ma caméra, on ne verra pas le tout, là. Mais je vais essayer de vous présenter des cartes, là, pour que vous les voyez un petit peu. Donc, on va passer. Donc, pour le mois de septembre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je mets toujours une carte qui englobe le tout. Donc, pour vous, c'est la reine de bâton. OK, ce qui est très bien, parce que ça l'indique que vous voulez accomplir quelque chose, soit artistique ou soit pour le travail, ou soit quelque chose qui va vous donner des sous. Et vous avez le pouvoir de le faire. Ça a l'air d'avoir du succès. On va aller voir plus loin. OK. On a des épées, mais à l'envers. Donc, pour le présent, vous voulez vraiment, vraiment réussir quelque chose. Pour l'instant, c'est pas fait. Peut-être parce que vous n'avez pas pris une décision. Il y a peut-être une décision qu'il faut qu'il soit faite pour qu'on avance, puis la décision n'est pas encore prise ou on attend une décision de quelqu'un. Puis il y a peut-être aussi de la communication qui manque. Donc, on attend peut-être un courriel, on attend peut-être un appel, on a peut-être des informations à aller chercher, puis on n'est pas allé les chercher. Donc, ce qui amène un petit peu ça, qui vient du passé, c'est un désir. Vous avez vraiment un désir en tête, quelque chose à réussir, peut-être même un travail que vous essayez d'avoir, qui présentement va, d'après la carte, réussir, mais il y a de la communication à se faire là, qui est pas fait ou des décisions. Est-ce que vous redoutez un peu ou est-ce que vous avez peut-être peur qu'arrive? Je ne sais pas pourquoi. C'est une belle carte. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous rapporter des sous ou vous rapporter une grande gratitude? Sauf que vous refoulez ça un petit peu parce que ça se pourrait que ça vous prenne plus d'informations ou de la formation en tant que telle, des cours, des notions à aller chercher. Puis je crois que c'est peut-être ça qui vous retarde, là. C'est quelque chose qui peut-être pour vous n'est pas le bon temps ou vous n'aimez pas ça, mais il y a des ressources à aller chercher, c'est sûr, soit en formation ou information. Qui englobe tout ça. OK, ça se pourrait qu'il y ait un petit changement là, qui vous fait soit avancer ou soit reculer là, dans ce que vous voulez aller, mais d'après moi, ce serait plus un avancement. Donc, il y a quelque chose peut-être qui va arriver d'un coup, vous n'attendrez pas, puis ça va vous aider à avancer dans votre projet. C'est vraiment quelque chose, par contre, vous ne pouvez pas savoir en ce moment, vous ne pouvez pas vous attendre. Donc, c'est probablement au mois de septembre, il y a quelque chose pour vous qui va arriver, une nouvelle ou ouais, probablement plus une nouvelle qui
qui va transformer pour vous, là, mais c'est pour le bon. Okay? Donc, peut-être qu'au début, ça va comme vous choquer un petit peu, parce que peut-être que ça va être trop vite, mais ça va être bon par la suite. Donc, ce qui est pour le futur pour vous. OK. OK. C'est sûr que vous, vous aimeriez peut-être faire un voyage ou vraiment vous évader un petit peu, oublier vos choses, mais présentement, c'est, ben, dans le futur qui s'en vient, c'est pas quelque chose de possible. OK. Ça peut pas être nécessairement à cause de la situation maintenant, mais peut-être à cause des sous ou autre. Là. Peut-être qu'on attend justement de se placer dans notre passion ou notre travail. Okay. Ce qui est pour vous en ce moment, ce qui est vous, OK, vous n'avez pas peur de foncer, OK, vous voulez vraiment comme arriver à faire votre projet, mais je le vois plus côté monétaire en ce moment. Donc, sauf qu'il y a un petit peu une innocence dans le sens que peut-être comme c'est nouveau pour vous ou... C'est quelque chose qui vous manque des notions, comme on parlait tantôt. Peut-être que pour réussir, il va falloir aller chercher plus d'informations ou des études. Okay? Peut-être un petit manque de ça, mais le vouloir est là. Ce qui est dans votre entourage, soit ce qui est dans votre entourage à la maison, au travail ou autre, okay? Ou comment qu'on vous perçoit. Ben, c'est bien parce que l'entourage est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, les gens vont être là. Même peut-être les gens vont vous célébrer si vous réussissez quelque chose. Les gens comme proches de vous ou au travail, si c'est au travail. Et c'est très bien. Ça va vraiment vous faire plaisir. Il y a un petit quelque chose qui va vous faire plaisir de votre entourage. Et ce qui est... Vos émotions. OK. Vous voulez vraiment, vraiment réussir ce projet-là, réussir le travail, réussir en argent, mais vous avez peur. Vous pensez que vous n'allez pas réussir. Vous n'avez pas confiance que vous allez réussir. OK. Donc, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus confiance parce que je vois qu'il y a un changement probablement dans le mois de septembre, d'après moi, là, vu qu'on fait septembre, qui va vous aider à ça ou qui va justement vous rendre à ce but-là. Donc, mais la confiance, vous avez un petit peu de la difficulté en ce moment à l'avoir vous-même. Ce qui est un petit peu englobe ici, le roi de bâton. J'ai oublié de vous en montrer des cartes, là, mais... OK, le roi de bâton. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est encore là. On va réussir très bien à avoir du succès. Vous allez vraiment, vraiment bien réussir ce que vous entamez, ce que vous voulez faire, ce qui va arriver pour le mois de septembre. Donc, moi, je ne m'inquiéterai pas, là. Passer de la dame au roi. Donc, c'est très bien. Ça va juste avancer plus. Ça va juste comme vous partir bien ou vous aligner vraiment rapidement à quelque chose de solide. Puis ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a la connaissance dans ça aussi. Peut-être deux personnes même qui pourraient vous aider, qui auraient la connaissance dans ce que vous voulez faire ou avoir en ce moment. Donc, c'est juste vraiment votre confiance en vous que vous doutez un petit peu que vous allez réussir, mais vous allez réussir. Donc, je vais juste faire comme l'autre tirage. J'avais précisé un petit peu le futur, je vais préciser, mais quand j'aurai une caméra qui monte plus, je vais préciser plus, on va aller plus en détail les tirages. Pour l'instant, je vais aller chercher une carte pour votre futur. Vierge, Taureau, Capricorne, Vierge, Taureau, Capricorne. Donc, quand je dis futur, c'est à peu près septembre, tu sais, ça peut dépasser en octobre, là, parce qu'on va dans le futur. OK, on a encore la tour. Fait que vous avez vraiment, vraiment un gros changement qui s'en vient, quelque chose ou peut-être une grosse nouvelle, mais quelque chose qui est soudain, que vous n'attendez pas en ce moment,
Oui, vous redoutez, là, vous pensez peut-être que vous n'allez pas réussir, puis c'est tout le contraire, OK? Mais sauf que ça va arriver vite, puis ça va arriver, on ne s'attendra pas. Peut-être que c'est ça qui va comme nous bouleverser un petit peu sur le coup. On va dire, mais pourquoi là, pourquoi tout de suite? C'est vite, OK? Peut-être aussi, ça peut être juste comme exemple, vous faites, vous envoyez des curriculum vitae pour du travail. Et vous attendez pas que la compagnie que vous voulez vraiment avoir vous appelle ou vous contacte. OK, et là, ça fait comme une grosse surprise. Peut-être vous attendiez un petit peu, puis peut-être qu'ils vont vous demander de rentrer comme tout de suite au lundi matin, là. Puis là, c'est comme vous pensiez comme commencer un peu plus tard, ou un mois plus tard, ou quoi que ce soit. OK, bon, c'est juste un exemple. Ça peut être autre chose, mais je vous donne un exemple, là. Il y a vraiment comme quelque chose qui va comme vous débalancez un peu, mais pour le bien. C'est pour que vous avancez, qu'on aille chercher ce qu'on veut, puis on va réussir. OK? Donc, mon Dieu, vous avez vraiment un beau tirage. Ça s'en vient bien. OK? C'est juste là, présentement, vous êtes en attente un petit peu de nouvelles. Des décisions qui ne sont pas faites, soit par vous, soit par d'autres. Mais c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Puis, il ne faut pas penser, parce que ça, vous n'avez pas confiance de réussir, puis vous. Reculer un petit peu, peut-être à cause que vous allez être obligé d'aller chercher des notions ou de l'information, mais allez-y, ça vaut la peine. OK? Donc, vous allez réussir de toute façon, même si vous pensez. Mettons, c'est un petit cours qu'il faut suivre pour faire un projet ou aller à un travail, puis vous n'êtes pas sûr de réussir le cours, inquiétez-vous pas, vous allez réussir. C'est là. OK? Donc, c'est très bien. Un beau tirage pour le mois de septembre. Donc, c'est ça pour les signes de terre pour le mois de septembre, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, si vous voulez me suivre, allez vous inscrire. Si vous voulez s'aimer la vidéo, faites un petit pouce. OK, ça serait bien apprécié. Et allez voir aussi mes autres vidéos, là. Je fais des vidéos différentes. Je montre les jeux. Comme là, je vous ai montré comme un petit peu les cartes. Vous les avez pas tous vus, là. Mais je vais présenter chaque jeu avec une vidéo sur mon site, ma chaîne, donc vous allez pouvoir voir en détail toutes les cartes éventuellement de mes jeux que j'utilise. Sur ça, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Merci.